Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bibi sera avec moi aujourd'hui. On va faire une petite séance judo. Malheureusement, hein, on est obligé soit en vidéo, soit en Zoom. Je pense que vous avez eu le planning de la semaine. Donc aujourd'hui, on va faire un petit travail sur Ippon Seonage. Bien, à vos kimonos et c'est parti. Go. Et voilà, Bibi est prête. Donc vous avez vu, vous avez besoin juste d'une ceinture. Voilà, alors pensez à vous échauffer un tout petit peu avant quand même. Hein, quelques exercices pour chauffer un peu la machine. Donc ce que je vous ai dit, Ippon Seonage, donc devant la ceinture et on va commencer à droite. Le pied droit passe devant. Je fais ma rotation et Ippon Seonage. Je recommence à droite, pied droit et je fais Ippon Seonage. Maintenant on enchaîne pied gauche. À gauche, pied gauche, je fais ma rotation et je fléchis. Même chose, pied gauche devant, je fais ma rotation. Ok, donc ça c'est l'exercice tout simple et vous pouvez faire des séries de 10 répétitions. Voilà, ensuite un peu de déplacement avant, pareil, toujours Ippon à droite deux fois, Ippon à gauche deux fois. Voilà, on tourne bien, on fléchit, voilà. Et ensuite quand on a fait une dizaine ou une vingtaine de répétitions, on peut partir sur un déplacement latéral. Voilà, regardez bien. Bien les pas chassés, une fois droite, une fois gauche, voilà, et on fléchit, voilà, encore, très bien, voilà, et si on a vite compris, on essaye d'accélérer un petit peu sur les pas et on tourne un tout petit peu plus vite, voilà, super, voilà, maté, donc là on reprend l'exercice Ippon Seonage avec la ceinture et regardez là, Bibi fléchit un peu plus que tout à l'heure. Voilà, même principe, une fois à droite, une fois à gauche, on fléchit, on baisse bien son centre de gravité. Ok, ensuite on part sur le déplacement classique, tout simple, une fois sans la ceinture. Ensuite voilà. Voilà, et là je fléchis. Ok, on aller-retour. Voilà, et je fléchis bien. En aller-retour encore, toujours. Très bien. Et ensuite, déplacement latéral, toujours en flexion. Voilà, et on fléchit bien. On essaye de faire une fois à droite, une fois à gauche. Voilà, encore un peu. On fléchit bien parce que ce sera important pour tout à l'heure. Voilà. Et on se déplace bien sur les orteils. Ok, très bien. Alors, troisième exercice sur Ippon Seonage. On revient sur la ceinture. Donc là, c'est flexion totale. Et je roule comme si je faisais une chute avant. Alors, vous faites attention chez vous. Vous mettez soit une petite couette ou si vous avez un tapis, mais pas sur le carrelage. Hein. Vous n'allez pas vous faire mal non plus. Donc là, regardez bien, pareil, je passe le pied, je fléchis complètement et je m'enroule sur une épaule. Et là, je fais à droite et à gauche. Pensez à bien fléchir, avancer l'épaule, ranger la tête. Donc je rappelle, faites attention chez vous, pas sur le carrelage. Voilà, et on reprend l'exercice de tout à l'heure. En déplacement en avant. Et là, pareil, hop, je m'enroule tranquillement. Une fois à droite. Une fois à gauche, très bien. Une fois à droite, pardon, et je m'enroule. Voilà, et à gauche. Très bien. Ensuite, le dernier exercice là-dessus, en déplacement latéral, donc. Voilà, et hop, et je m'enroule doucement, tranquillement. Pareil, vous alternez une fois à droite, une fois à gauche. Et votre déplacement, faites attention, ne croisez pas vos pieds. Voilà, et on est toujours sur la pointe des pieds et je m'enroule. Encore une dernière fois. Voilà, et je m'enroule. Très bien. Maintenant que vous avez fait les exercices avec Ippon Seonage, je vous rappelle, vous pouvez faire des répétitions, des séries de 10, des séries de 20 sur chaque exercice. Maintenant, on a un invité spécial avec nous. C'est Monsieur Rouge qui est avec Bibi là. Alors Monsieur Rouge, il va chuter.
Bibi, non, elle va pas chuter. C'est juste Monsieur Rouge. Donc là, si vous n'avez pas de mannequin, si vous n'avez pas de Monsieur Rouge, vous prenez le kimono et vous le rembourrez avec un ou deux coussins. Et vous l'entourez avec la ceinture. Ça fonctionne très bien aussi. D'accord ? Là, c'est juste pour les projections. Alors, vous faites attention au mobilier de la maison, hein, si vous êtes à l'intérieur, hein, qu'il y ait un peu de place. Donc là, pareil, vous prenez votre garde et vous vous déplacez. Voilà, hop, et à un moment donné, hop, Ipponsonage, et bam ! Je récupère et je me déplace. Pensez à faire à droite et à gauche aussi, hein. Voilà, je me déplace. Hop, et je m'enroule. Super. Allez, encore une ou deux fois. Donc, vous, à vous de répéter plusieurs fois, hein. Voilà. Encore une dernière fois en s'enroulant. Voilà. Donc du coup, Monsieur Rouge, il est un peu fatigué. On le rhabille. On va saluer Monsieur Rouge. Oula, il est très fatigué. Au revoir, Monsieur Rouge. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous apprendre des petites choses. Donc, avec Bibi, Monsieur Rouge qui est là, qui s'est remis de ses émotions, on va vous souhaiter une bonne journée et n'hésitez pas, la vidéo, vous pouvez la regarder plusieurs fois dans la journée, il n'y a pas de souci. Et on se revoit très bientôt. Salut. Salut.